Quand j'ai eu 18 ans, mes parents m'ont marié à un homme de 52 ans. Et moi, bien sûr, je ne voulais pas. Donc, sous menace, sous contrainte, c'était ou je me marie avec lui, ou je meurs. Ou mes parents me tuent. Ou je me tue moi-même. D'ailleurs, c'est ce que m'avait dit ma mère. Bois de l'eau de Javel, comme ça, tu vas mourir. Voilà. La première nuit, j'ai pas voulu coucher avec lui. À la deuxième nuit, je me suis obligée de coucher avec lui puisque ma mère est venue regarder derrière les persiennes. Et je me suis laissée faire avec un oreiller sur le visage. Et c'est vrai que c'était comme un viol. Enfin, c'était même pas comme un viol. Je me suis sentie violée, quoi. Je me suis sentie... j'avais l'impression que non seulement cet homme-là me pénétrait sans mon consentement, mais que ma famille entière me pénétrait en même temps, quoi. Parce que c'était... j'avais l'impression que... Et c'est pas une impression, c'est que tout le monde était de connivence. Tout le monde était... tout le monde savait. Donc pour moi, tout le monde était en train de me pénétrer. Un husband apni wife ke upar acid se war karta hai, ye kahan ki ye sansti hai, ye kahan ka insaaf hai, ye kahan ke sanskar hain jo acid se jala diya jaye, sote hue pe wo bhi, ek dahej ki demand puri na hone pe acid se jala dena, ye theek nahi hai, ye hamare samaj mein har ghadi har pal har din ho raha hai, kyun nahi rukta ye acid kaand. क्या दहेज की डिमांड पूरी ना होने पे इस तरह से जला दिया जाएगा? सिर्फ इतनी छोटी सी सोच होती है पतियों की, हस्बैंड की? There was no sign that warned me to what came next, which was a huge blow to my face. He stopped the car and gave me a huge blow in my face. And I was so shocked. It had never happened before in my life. And the next blow comes straight into my right eye and the right eye just goes black. Un jour, une baffe. Première baffe. Ou bien sûr, je lui ai rendu. Parce que, enfin, voilà, j'ai été une femme battue pendant 8 ans, mais il en a eu aussi. Enfin, je me suis défendue. De la première baffe, ça a été à 2 baffes. De 2 baffes, ça a été... à une baffe et il me pousse et ensuite au coup de poing et une fois qu'on a, je pense qu'une fois qu'on a franchi le coup du coup de poing, il y a plus de limite. Au moment où que eu falei chega, não dá mais, não tem como arrastar isso mais. Foi no momento que eu vi ele enforcando a minha filha. Foi aquele momento que eu falei chega. Eu não nasci para isso. Eu não posso permitir. Eu não posso permitir que ele destrua a vida dos meus filhos. Ele já tinha destruído a minha. Ele já tinha destruído o meu sonho de ser mãe, de ser esposa, de ter uma família. Eu só queria ter uma família. Ele tinha destruído. Eu não podia mais permitir aquilo. And people always say the victims have no voice. We do have voice. We just you don't want to hear us. You silence us. Thank you.